Et nous partons à Narbonne, dans l'Aude, où l'on retrouve Justine Wild. Bonjour Justine. Il est à peine 8h, il fait déjà très chaud hein, chez vous. Je vous le confirme, vous l'avez dit, il n'est que 8 heures et pourtant il fait déjà 25 degrés ce matin à Narbonne. Pourtant, certains habitants sortent prendre l'air, un café en terrasse, quelques achats au marché pendant que les températures restent supportables parce qu'ils le savent, ça ne va pas durer. Dès midi, les températures vont s'envoler et cet après-midi, on attend jusqu'à 37 degrés. Cette nuit, c'est à peu près la même chose. Les températures ne vont pas beaucoup diminuer. Le thermomètre ne descendra pas en dessous de 24 degrés. Alors, le département de l'Aude reste placé en vigilance canicule orange aujourd'hui et jusqu'à demain minuit au moins. Il faudra bien penser à s'hydrater, à rester à l'ombre, à limiter les activités physiques et sportives. Les pompiers, eux aussi, restent vigilants pour venir en aide aux personnes les plus fragiles, mais surtout pour surveiller tout départ de feu parce qu'avec ces fortes chaleurs cumulées au vent intense de la région, le risque incendie restera élevé tout le week-end. Merci beaucoup, Justine Wild. Pardon, j'ai écorché votre nom à Narbonne.